Bonjour à tous, on se retrouve pour démarrer une nouvelle série sur Oxygen Not Included. Alors j'ai le modé le jeu, enfin le modé le jeu, j'ai rajouté des modes. On a divers modes que je vous présenterai au fur et à mesure. Le premier c'est celui-ci qui permet de choisir nos duplicants. On peut choisir beaucoup de choses. Donc certains vont dire que c'est de la triche, mais non, c'est juste du gain de temps. Voilà, je me mets des petites vessies partout pour produire plus d'eau, des leftos pour avoir les bonus aux attributs le matin, voilà, on gagne plus d'eau aux attributs pendant 5 blocs horaires, donc ce qui est juste énorme, des super productifs pour ceux qui ont besoin de ce bonus, enfin ceux qui peuvent bénéficier de ce bonus, tout ce qui concerne les actions qui ont une barre de progression, voilà, il y a une chance que cette barre d'opération soit instantanée. La traînée d'étincelles parce qu'il va se balader un peu partout, donc il va mettre un bonus à tout le monde. Et voilà, j'ai mis certains traits d'astéroïdes pour l'astéroïde Terra. Donc ouais, on part sur Terra, question de comment dire, de facilité de début de partie. Après pour le reste, quasiment tous les astéroïdes sont à peu près les mêmes à mon sens. Et voilà. Donc on va partir. Pause. Alors il y a un autre truc. J'ai modifié ici. Pause. La vitesse des comment on appelle ça? Des boutons tout simplement. Donc c'est plus 1, 2, 3. Je crois que j'ai mis du 2, 3, 6. Quelque chose comme ça. Je crois. Enfin bref, c'est peu importe. C'est juste que je suis très 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 rarement en vitesse 1. Même quasiment jamais. Et puis bon, voilà. Vous aurez compris. Ok, donc, un autre mode sympa, c'est qu'on peut ici, bon je n'ai pas de ressources encore, mais on peut se mettre une liste de favoris sur les ressources. J'ai le mode qui permet de détruire, alors on va pas en voir ici encore... mais qui permet de détruire les constructions de Gravitas. Ce qui est utile quand on a un problème parce que on a une construction qui est en plein sur nos plans de construction à nous. Voilà, donc on va pouvoir récupérer aussi ces ressources. Donc on va commencer directement, pas par ouvrir le CO2, plutôt par ici. On va faire quelque chose comme ça. Voilà, donc vous voyez la vitesse 1, c'est plus de la vraie vitesse 1. Donc voilà ce que je vous disais, minéraux bruts, voilà, je peux mettre le grès en ressource favorite par exemple. On va aller chercher les métaux rapidement. Donc on va faire une première base, j'ai envie de dire classique, basique. Puis après on optimisera un peu mieux. Oh putain, on va mourir tout le sable. J'avais pas vu. Faire ça comme ça pour l'instant. Alors on a un peu de minerai métal, 1200 kilos encore un peu peut-être. Ouais, pause. Alors on va se faire ici. Je crois que je vais détruire ça. Ouais, démolissez-moi ça. Démolissez-moi ça. Et ça, ça, et ça. Et ça, on va refaire, on va se faire un étage central ici. On va faire quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Et ici, on va mettre les toilettes. Hop, liquide. Donc, alors attends, si je fais ça, on va avoir la barre de pompier, ouais, tac. Juste pour me faire mon dessin. Donc deux lavabos. 1, 2, 3, 4 et un re de lavabo. Voilà, on va mettre... Ah non, attends, je voulais mettre de la déco. Allume-moi ça. Donc ouais, on va faire ça plutôt comme ça. Tac, voilà. Ouais. Porte. Porte. Non.
porte. Porte. Ok, et donc soin. 1, 2, 3, 4. Logiquement, je suis bon. Voilà. On va remettre ici une porte, très bien. On va faire quelque chose comme... Non, comme ça. Ok. Et donc priorité 9. Là-dessus. Voilà. Très bien. Comme ça on a les toilettes directement. Ensuite on verra pour les chambres. Et je me suis complètement planté ici. Ouais. Tac. Ok, voilà. Voilà, ouais, c'est bon, on aura le temps de finir ça avant la fin du cycle et on passe pisser dessus. Les petites toilettes sèches, très bien. Ici, on va faire ça comme ça pour qu'ils puissent accéder là-haut. Et comme ça, voilà. On va mettre une priorité 9 aux toilettes. Bien. Voilà. Allez, petit gars. J'ai oublié un truc. Se laver, on va le mettre ici. Dormir, on va le mettre là. Normalement, deux cas suffisent. Se détendre, on va en mettre 3. Et donc travailler, tac. Comme ça on est sûr qu'ici, ils soient sortis de la base et qu'ils soient au travail. Allez petit gars, terminez-moi ça s'il vous plaît. Avant d'aller les bouffer. On les a là, nos bouffes. Ça se périme, non? Bon, après, on récupère des tubercules boueux, donc... ça fait un petit peu de bouffe, on va s'en occuper un peu plus tard, la bouffe. Pour faire les recherches, de toute manière. Ici, direction gauche, 9. Direction gauche, 9. Voilà, très bien. Bon, on va pas avoir le bonus de... de toilettes pour l'instant, mais ça va venir. Ok, pendant la nuit on va dessiner les chambres, donc 1, 2, est-ce que ça passe comme ça, 3, 4, et si je te fais 1, 2, 3, 4, on devrait avoir je pense le bonus. Tiens d'ailleurs, fais ça. On va faire tomber les ressources. Faire ça comme ça. Une échelle pour qu'il puisse accéder. Tac, tac, tac. Voilà, fais-moi tomber tout ça. On accélère un peu. Ah non.
donc ils sont au travail et on est encore en nuit. On va passer en matinée, ils vont avoir le bonus plus 5 sur les attributs. Voilà. Et donc là, à ce moment-là, on est sûr qu'ils sont déjà au travail. Bon, là, la base est toute petite, mais quand elle sera plus grande, ça prendra un peu de temps de sortir. Équipement enseveli, mince. Alors, on va juste mettre une priorité. Ah, ben c'est bon, on l'a ici. Ah, ben non, j'allais dire, on l'a ici. Tant pis, les ressources, on les refera tomber un peu plus tard. Bon, va falloir s'occuper des recherches aussi. J'ai un peu oublié. Je te mets là, pourquoi pas. Pourquoi pas après. Oh non, tu vas peut-être avoir besoin d'oxygène, donc on va te mettre là. Faire ça comme ça. Donc ça y est, normalement on a le bonus des toilettes. Yes. Pas de geyser en vue, non. Pas pour l'instant, c'est pas grave. Ici, tu peux faire ça. Là, on va mettre une déco. Là aussi, tac. Ok, on peut faire ça ici. Non, pas ici. Et on va un peu plus vite sur les sur la nuit. Hop, super. Vous allez dormir où? Ah oui, non, là ils se divertissent là. Ressources organiques, je vais enlever tout, on remettra quand il y aura besoin. Donc ouais, on va s'attaquer aux recherches dans pas très longtemps. On a encore l'oxydité ici, très bien. Et j'ai de la bouffe là. Bon ça. Toi tu vas te coincer espèce de débile là. Voilà. Aussi. On va mettre ça en urgence, qu'il puisse remonter. Très bien. C'est pas de diffuseur d'oxygène, c'est pas très grave. Pour l'instant, il y a encore un peu d'oxygène. On va le mettre en place. Au cycle suivant, certainement, ou peut-être dans celui-ci, on va voir. Et donc, logiquement, là, on a... Tac... Bah, logiquement ici, on va avoir le bonus de chambre. Ah, c'est assez compact, tu vas te faire un... Ouais, sors de là.
Galère à respirer, attendez. Mettre un diffuseur d'oxygène ici. Un ici. Voilà. Au niveau de l'énergie. On va mettre ça. Comme ça. On va mettre des générateurs manuels ici. Ok, et du coup... Tac, voilà. On va respirer un peu mieux, forcément. Alors ça, on peut te le mettre en 9. Mais j'ai plus d'oxydité, ça, si j'en ai encore un peu ici. Alors, on peut prendre un nouveau duplicant. Prendre un éleveur, je pense. Ouais. Ça permet de gagner du temps, c'est pas... je considère pas ça comme de la triche. De toute façon, les duplicants, si nous plaisent pas, on les prend pas. Donc, on attend d'en avoir un qui nous plaît. Là, au lieu d'attendre, on le prend direct, quoi. Qu'est-ce que je vais te donner? Une petite vessie, certainement. Résistance au... Lève tout, c'est sûr. Petite vessie. Non mais c'est pas un... Je suis con, c'est pas... Un... Je le prends pour un bonus mais non. Ouais, forme physique. Et apprends vite, pourquoi pas. Réfléchis mais... Ouais, non oui. Ici on va mettre petite vessie. Pleurnichard si tu veux, et on va te mettre un truc de ballon, c'est marrant. Ça fait un petit bonus de morale aux autres. Très bien. Point de compétence gagné, du coup. Tu vas être un éleveur. J'ai oublié ici de faire ça. Et la chambre, ça va bientôt être fini. Il va manquer l'électricité, mais bon, ça va arriver. Non, niveau oxygène, là, on n'est pas ouf. Ah, mais ça va arriver. De toute façon, il y a combien? Il y a plein d'oxygène, toi, t'es en train d'en émettre. Donc, dès qu'elle a fini, boum, ça remonte. Et puis ensuite, alors là, ils auront terminé ça, on va pouvoir produire nous-mêmes notre oxygène. Ok, ils sont repartis au boulot, très bien. Les câbles ça va assez vite, les production d'énergie là ça va être assez rapide. Ok, on a le bonus de chambre. On a le bonus de chambre, très bien. 8 duplicants, c'est assez compact. On va juste équilibrer ça, voilà. Très bien. On va mettre une petite priorité 9 là pour qu'on commence à produire un peu d'énergie. Enfin, d'oxygène du coup. En pause, mais ça va changer très bientôt, voilà. Alors attends, au niveau des priorités par contre. Je me souviens plus qui est quoi. Compétences. Harold, tu es constructeur. Mineur constructeur. Donc Harold, on va te donner construire, excaver.
Insee, tu es cuisinière et soigneuse. Donc on va te mettre en haute priorité, ce que tu vas faire très peu souvent. On va interdire les décorations à tout le monde pour l'instant. Et cuisiner, 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 qui est ici? Nails, du coup, tu dois être le chercheur. Voilà. Et donc ça y est, on produit oxygène, ça va aller un peu mieux. On peut lancer les recherches. On va aller chercher directement la culture. Enfin la culture, l'agriculture, pardon. Et la cuisine. On pourrait ouais, commencer ici. On va faire tomber déjà le CO2. On va se faire un petit bloc ici. Non, ici. Ouais, certainement comme ça. Enfin, est-ce que j'ai besoin de m'embêter avec ça, sincèrement? Je pense pas. On va écrouler l'eau. Ouais, on va écrouler l'eau jusque là. On va écrouler le CO2 surtout. Voilà, si on regarde le calque des gaz. Après le CO2 là il va. On peut pas le faire descendre parce que là ça va, ça bouche. Mais quand on pourra mettre des dalles ventilées, on le fera. Toujours pas de geyser. Pas l'impression peut-être ici. Non, quoique, non, je pense pas. Bon, c'est assez cool par contre qu'on n'en ait pas. Ah, tiens, j'ai oublié ça. Qu'on n'en ait pas dans la zone très très proche là, ça va permettre de faire une base sans être gêné par un peu tout là. Faites-moi ça si vous voulez au passage. Donc on va se mettre même en vitesse max pour ce qui reste, c'est pas le plus intéressant de l'avoir miné. Recherche terminée, très bien. Alors qu'est-ce qu'on a? Ouais, terrarium d'algues, garde-manger et jardinière et compost. Qu'on pourrait se faire ici des arbres à poux. On va faire ça. Bon, c'est juste dommage que ce soit pas la chercheuse qui cherche, mais bon. On va attendre que ça se mette en place, ça va se réguler tout seul, ça. Eux, de toute façon, ils vont arrêter de produire quand on sera à 2 kg d'oxygène par case. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Ici, ouais, vous avez des petits soucis d'oxygène. Ouais, c'est normal, c'est le temps qu'on ait les recherches. Non, pas compétence. Priorité, je t'ai mis quoi? Toi, élevé, cultivé. Voilà. Voilà, du coup, c'est la chercheuse qui cherche. Ici, tu me mets des arbres à poux. Très bien. Aucune recherche actionnée. Très bien. Alors maintenant, on va mettre. On va partir sur quoi? Je dirais peut-être l'élevage. Peut-être l'élevage ou. Non, la station de recherche avancée.
beaucoup plus utile. Mets-moi des arbres à poux ici. Allez, terminez-moi ça, s'il vous plaît. Point de compétence gagné, cool. Harold, tu vas être un mineur. Peck. Hop, on va élargir ici. Ça, c'est pareil, je vais l'écrouler. Point de compétence gagnée, très bien. Nails. Ah, c'était pas l'INSEE, je suis con. Je me suis trompé. J'ai bien mis Nails en priorité. Ouais, très bien. Allez, on passe à une à succès, ouais, ouais. Aliments. Mais je vais certainement mettre la cuisine par là. Donc on va faire ça pendant la nuit. On va se la mettre. Donc attends. Bah non, c'est con ce que j'ai fait là. Tant pis, on va avoir un décalage. Un tac. Ici, on va boucher. 1, 2, 3, 4. Voilà. Du coup. Du coup, aliments. On va se faire une petite cuisine. Pff, le toque-up, je m'en sers jamais. Ce qu'on va faire, par contre, c'est mettre peut-être deux grilles électriques. Avec certainement une plante sifflante au milieu quand on en aura une. On va se mettre un garde-manger. Voilà, dans le CO2, quand on aura du CO2. Ici, on va faire ça juste pour écrouler les ressources. Très bien. Je regarde juste où on en est. Ouais, allez, encore deux petites minutes et on arrête l'épisode. Qu'est-ce que t'as, toi? Fertilisation, quoi. T'es quoi, Nails, en fait? Prends ta pas EP, toi. Ah, t'es le cuistot. D'accord. Oh, mais t'es pas très loin, tu vas EP très bientôt. Ici ils ont pas envie d'y aller, c'est mouillé, il y a du CO2, ils préfèrent faire ce qu'il y a ici. Bon, Marie, quand elle aura des choses à faire, elle lâchera la recherche de son. Au niveau de la bouffe, ça va. Hein. Point de compétence gagné, super. Grillade, oui. Clac. Et on termine le cycle. Et on s'arrêtera là pour ce premier épisode. Aucune recherche sélectionnée. Alors. On va aller chercher. Qu'est-ce qui. On peut aller chercher ça. Pour la déco, ouais, vas-y. Même pourquoi il est en pause? Harold, ben viens là. T'es bloqué.
prendre un livreur. Livreur plombier. Donc, nettoyer, oui. Construire, cultiver. Ravitailler. Est-ce que je peux mettre ravitailler et porter combinaison? Ah ouais, je peux. bah vas-y. Donc tu vas être... on va t'ajouter... Non, plutôt opérer. Ouais. Mécano, oui. On va te donner... Lefto. Et forme physique, oui, très bien. Petite vessie, vomito, non. Pleur omnichar, oui. Et je vais te mettre... ouais, super productif. Tu vas être un livreur opérateur. Compétences. Transport. Priorité. Ravitailler, stocker. Si tu sais pas quoi faire, t'opères. Et nettoyer au max. Très bien. Et on va s'arrêter là pour ce premier épisode. Bon, on a un début de base. On améliorera ça prochainement. Faudra voir où sont les geysers. Faudra explorer un petit peu. Pour l'instant, on n'a rien. Enfin, geysers, volcans, etc. Il va nous falloir aussi ouais, la station de recherche. Mais bon, on verra ça au prochain épisode. Je vous remercie d'avoir suivi celui-ci. Le petit pouce qui va bien, vos petits commentaires qui font toujours plaisir. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite. Salut à tous.